Alors, c'est tout à fait volontaire de revenir à mon initial qui me manquait beaucoup. Et puis, je crois simplement que quand je fais vraiment des chansons, de la chanson, je m'appelle Elle. Et le reste du temps, quand j'essaye d'expérimenter un petit peu d'autres choses, d'autres formes artistiques, etc., ben là, je m'appelle Raphaël Lanader. Les premières années, l'écriture, c'était difficile, c'est-à-dire fastidieux, parce qu'aussi j'avais en tête tellement de références, d'auteurs, que je ne savais pas très bien comment moi j'allais raconter quelque chose et comment ça allait être légitime pour moi de donner aussi mon point de vue. Et en fait, avec les années, j'aime de plus en plus écrire et ça m'est de plus en plus facile. Je trouve ça de plus en plus doux, chaleureux et tendre d'être sur scène et d'être avec les gens qui sont là. Plus ça va et plus je suis heureuse d'être là. Alors moi je trouve que c'est très chouette et que c'est une riche idée, et que c'est pas trop tôt, parce qu'il y a, c'est ainsi, on le sent bien, dans la société, et donc aussi dans le milieu musical, un peu plus de place pour les femmes, et à juste titre, parce que je crois que les femmes aiment autant la musique que les hommes, et surtout elles en font autant qu'eux, donc ça me semble être une très bonne chose.